Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean. Je disais avant que ça ne coupe, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Papy Jean et aujourd'hui on va ouvrir son colis avec Jean qui est au box parce que tout simplement Jean a fait dans la nuit d'hier, donc du 13 mai au 14 mai. Une grosse inflammation de son, vous verrez, de son antérieur gauche. Donc en fait, il était tout enflammé sur la face là du canon et il était très agressif et ça a empiré dans la nuit. Voilà. Donc c'est très très enflé. Il est sous traitement, mais il est au box strict pour raison médicale. Donc voilà, donc j'ai eu le véto. Voilà, il faut savoir que Jean a beaucoup de petits soucis en ce moment, que c'est un peu la merde, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas très présente sur YouTube, mais je suis plutôt très active sur Instagram et Facebook. Donc si vous voulez avoir plus de nouvelles de gens, bah je vous conseille de me suivre, voilà, et d'aller sur les réseaux sociaux qui sont en bas. Voilà. Sur ce, nous on va aller ouvrir le petit colis avec Mister qui attend ça avec impatience. Et je vous prends avec moi. Jean, il va l'ouvrir tout seul comme un grand. Bah oui, mais c'est à 2 minutes, hein. Il sait qu'il y a des bonbons dans le colis pour lui. Voilà. Allez, on y va, on va aller l'ouvrir. Je vous prends avec moi. Ah, donc là, j'ai ma petite paire de ciseaux. J'ai Jean qui est là. Tu viens, bébé. Et puis, bah, on va lui ouvrir son colis. Donc, je vais lui poser la paire de ciseaux. Je vais prendre mon petit et puis on va s'asseoir. Alors, et pour ceux qui se demanderaient quel âge a Jean, bah, tout simplement, Jean a 23 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, je mets des petits hashtags à chaque fois sur mes publications. Et je mets papy Jean de 22 ans, entamant sa 23e année. Donc, en gros, c'est qu'il a entamé sa 23e année, mais là, il a 23 ans. Voilà, 23 ans de malheur. Le pauvre, franchement, je suis dégoûtée pour lui. Surtout qu'il fait plutôt beau, qu'hier on s'est tapé de la pluie, lundi on s'est tapé de la pluie, mardi il a pu aller au paddock et plus se dégourdir les patounes. Mais il enchaîne vraiment les soucis de santé. Il a eu un souci aux quatre membres. Là, il a un souci à son antérieur gauche. On ne sait pas trop ce qu'il a. Enfin bref, c'est galère. Franchement, c'est galère. Enfin, un petit peu. Oui, on va ouvrir. Oui. Donc, allez, c'est parti, on y va. Je prends ma petite paire de ciseaux et on va ouvrir. Alors, j'essaie de ne pas faire le nez de Jean. Jean, doucement. Doucement. Voilà. Entre mes jambes. À une main, c'est pas simple. Je vais prendre le portoir. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir. On ouvre. On ouvre. Ah, il faut que j'ouvre là-bas. J'ouvre là. Ah, doucement. Oui, je sais. Je sais. Il est pressé. Il est pressé, bébé. Voilà. Bébé est pressé. Oui, il est pressé. Allez, on y va. Hop. Bon, déjà, on commence bien parce que on a des tas et des tas et encore des tas de ballons. Mettre là. Alors, dans cette petite commande, j'ai tout simplement un petit produit à crin que j'ai pas payé, tout simplement, parce que ce petit produit à crin là, attendez. Donc, je disais, ce petit produit à crin là, je l'ai pas payé tout simplement parce qu'il était en cadeau avec la commande et donc je l'ai pris pour Papy Jean qui en est très friand. Voilà. Ah, c'est plutôt moi qui en suis très friande, mais pas lui. Ensuite, il les a vus. On a les petits bonbons. Alors, ceux-là, je les ai achetés pour leur pack. Il en est fan, il en raffole. Et je lui ai acheté des petits bonbons pour son anniversaire de la même gamme. Donc, voilà. Donc, pour lui faire plaisir, je vais lui en donner après. Voilà. Donc, ça c'est pour l'entreprise, hein. Donc, pour tous ceux qui se demandent, j'ai une entreprise de lavage et réparation de fleurs pour chevaux. Et là, j'ai acheté du réimperméabilisant. Donc, deux gammes de réimperméabilisant, excusez-moi. Parce que j'aimerais tester les deux gammes. En fait, cette gamme-ci, qui m'a l'air un peu mieux que cette gamme-ci. Mais il faut voir. Voilà. Donc,
C'est pareil, hein, tous les liens sont en barre d'infos par rapport à mon entreprise. Et j'ai même créé une petite chaîne YouTube par rapport à mon entreprise. Là, on a la petite facture avec le petit truc VIP. Et là, on a une petite... Ah, moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Oh, excuse bébé. On a une petite couverture pour Mister Jean, parce que je lui dois passer à la tombe cette année à cause de son problème de peau. Et donc, cette petite couverture-là, on va lui essayer. Donc, je ne vais pas vous prendre avec moi parce que ça va être compliqué. On va aller lui essayer pour voir si ça lui va. Et après, on lui donnera des bonbons. Oui, on te donnera des bonbons. Oui, bah oui, toi, tu n'as que pour la bouffe, en fait. Allez, je vous reprends juste après. Bon, je suis là. Jean, il est là. Il est juste là. On va aller lui essayer. Je vous ai posé sur sa portoire de pierre à sel. Je ne sais pas si ça va le faire. Vraiment une vidéo à l'arrache que je fais parce que bah, j'ai pas très bien en faire une, mais moi je voulais vous partager ça. Oh, mon amour. On a 8 ans, on va l'essayer. On va l'essayer. C'est quoi? Une couverture? Une couverture intégrale pour petit? Oh, c'est une couverture intégrale. C'est contre les mouches. Tu sais, les moumouches, les vilaines moumouches. Et les vilains insectes qui t'embêtent. Oh, bah dis donc. Allez, grande. Oh, je suis moussie. J'espère qu'il pourra bientôt ressortir parce que son membre est très gros. Je vous montrerai. Enfin, non, je crois que vous l'avez déjà vu. Mais il est très très gros son membre. Donc, allez, on y met. Tous ma bonne. Ouh, super, elle te va bien comme un gant et tout. Bon, faut que je. La force du poitrail, chérie. Hein. Oh ouais. Elle va vraiment jusque là-haut. Trop bien. Trop bien. Bon, je peux pas mon téléphone. Hein. Voilà. Je vais pas aller se ressembler, ça fait un peu plus embêtant. Oui, t'es trop beau. C'est trop beau. Allez, vous voyez à peu près, je vais vous remettre dans l'autre sens. Voilà, donc une fois mise, elle lui va comme un gant. Je dirais qu'elle est moins grande que l'ancienne que j'ai. C'est une toute simple, hein, c'est pas une avec l'encolure. Et elle est hyper légère. Donc ça, c'est l'avantage parce que j'en ai une, mais elle n'est pas légère comme ça. C'est une Norton et il lui fallait une légère en fait parce qu'il sue énormément. Mais je dirais qu'elle est... Enfin, j'ai pris en taille 145 parce que l'autre que je lui ai pris, elle est en taille 155 et elle est un peu grande. Et ça lui va pas bien. Ça lui suit pas bien. Lui, il cherche des bonbons. Donc voilà, c'est pour son anniversaire. Et il a un autre petit truc, un autre petit seau que j'ai acheté en séparé. Dans une autre commande que j'ai faite et je vais vous le montrer juste après, je vais aller le chercher. Voilà. Moi, elle te va trop bien, ta nouvelle couverture, mon bébé. Je vais prendre en photo. Regardez-moi ses yeux. Voilà, je lui ai acheté ça pour son anniv. Donc, c'est des milk. Non, c'est des mini mix. En fait, c'est à base de pommes, de mangue et de navets, parce que j'aimerais savoir si monsieur, il aime tout ça. Donc voilà, donc je lui ai acheté ça avec tout le reste des bonbons. Il va me foutre tout ça en l'air. C'est Jean. Bon, je vais lui donner, je vais lui ouvrir pour lui en donner. Et il sait ce que c'est en plus, c'est ça le pire. Mais bon, voilà, pour leur anniversaire, c'est ça qui leur font le plus plaisir, c'est des bonbons, des tout ça. Même si c'est pas très très bon pour la ligne ou leur petit estomac, mais bon, à 23 ans, Jean, je crois qu'ils s'en foutent un petit peu.
Allez, sur ce, ben moi, je vais lui souhaiter encore un très joyeux anniversaire à mon papy, joyeux anniversaire. Et puis, ben, je vais vous laisser. On va peut-être lui donner un petit bonbon quand même. Alors, je sais pas, je vais lui donner ça, cela. Ils ont l'air d'être trop bons. Regardez-moi ce curieux là. Oui, mais il faut que j'arrive à l'ouvrir. Arrête! Mais épousse ton nez, je vais te faire mal. Ah! Dieu! Oui, mais c'est bien, mais il scotche tout en fait, le crameur, mais c'est pas cool. Parce que après, quand on est au cheval, c'est plus compliqué. Ah! Vous savez quoi? Je vous reprends après. Ah, non! Donc, c'est des tout petits bonbons. La macaron ne peut pas se faire. Des tout petits bonbons. Et il en est. Ça sent juste trop bon. Et Jean, il en veut, il en veut, il en veut. Regardez-moi le gros nez. Regardez-moi le gros nez. Oh, moi aussi, trop bon, maman. Voilà, je vais en donner un petit peu à petit pied après tout à l'heure. Mais voilà, Jean, il est d'accord avec ça. Oh, c'est bon, hein. Oh, oui, c'est trop bon. Pour mettre ça dans la balle de jeu, ça va changer. Bah oui. Oh, ça, c'est trop bon, ça. Oh, j'en veux, maman. Mais non, c'est fini. Il n'y en a plus. Après, bah, il aura juste son petit goûter d'anniversaire. Mais oh, je pense que je vous prendrai avec moi. On ira lui donner ensemble. Un bébé. Et pour tous ceux qui se demanderaient, oui, Jean, un petit problème de peau. Alors, je vais éloigner les bonbons, hein, de lui. Il peut vérifier dans le carton, enfin, je m'en fiche. Mais pas les bonbons. Donc, pour ceux qui se demanderaient, oui, Jean, il a un petit problème de peau. Je vous l'explique dans les 25 faits sur Jean que je vous glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. Donc, ce problème de peau, on ne sait pas d'où il vient. C'est pareil pour ses membres gonflés, on ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, il a fait une prise de sang et tout, et on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, plus qu'à espérer que ce membre là-bas, là, que vous voyez, qui est tout gros, tout gonflé, se réduise. Et puis, tout seul de lui-même, et puis, on verra bien. Voilà. Mais de toute façon, je vous tiens, comme je vous dis, hein, inscrivez-vous sur mes divers réseaux sociaux, vous serez au courant de tout. Je vous tiens régulièrement au courant de mon petit cheval qui se trouve juste ici et que vous voyez plus trop sur les réseaux parce que tout simplement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui en ce moment, à part que bah, il enchaîne les petits soucis de santé et que c'est pas cool pour lui en ce moment, mais bon voilà, ni pour moi d'ailleurs, mais c'est vraiment pas cool pour lui. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure pour le petit goûter de monsieur. Bisous. J'aime lui mettre des petits mini snacks dans la balle de jeu. Regardez comment il est fou. Il est fou. Après, il va peut-être venir me voir pour me réclamer de lui donner ce qu'il y a dans la balle. Mais je préfère qu'il joue un petit peu et qu'il s'occupe. Voilà. Ça va l'occuper un petit peu que d'être au box en 24. Mon bébé. Allez, on va le laisser s'occuper tranquille. Et puis on se retrouve après pour le goûter. Et comme je suis pas une crevarde, ben on va en donner à petit pied. Il se trouve juste derrière. Il attend ça. Bébé, tu viens? Petit boudin. Eh bien. Tiens. Eh. Un à la fois. C'est l'anniversaire de Jaja aujourd'hui alors. Aussi tu as droit. Et toi, t'as de la chance. T'as le droit de sortir. Et lui là, mardi, et ben c'est les dents. Donc c'est le veto, il vient pour les dents parce que j'ai l'habitude que ce soit le veto qui vienne s'en occuper. Puis il connaît leur bouche, leur dentition, tout ça. Donc, voilà. J'aime pas trop le navet. Ouais, c'est du navet ça. Et puis ben je pense que vu qu'il va déplacer pour lui, il me demandera des nouvelles de Jean. Oui, il contrôlera Jean, surtout si sa patte elle est encore comme ça. Allez, je vais vous laisser, je vais aller faire ce que j'ai à faire là, des montages vidéo, tout ça, et monter cette petite vidéo pour qu'elle puisse sortir ce soir. Non, il n'y a plus. Et, ah bah c'est cool, on peut voir, regardez, sous l'eau, j'ai tout.
Et puis on va leur donner leur petit goûter tout à l'heure. Oui, non mais je sais plus, je te dis. Allez, recule. Recule. Regardez comme il est bien éduqué. Allez, mal éduqué celui-là. Allez, recule. Voilà, c'est bien. Et puis bah lui va profiter de l'extérieur pendant que Jean va profiter de son petit box. Je vais finir de ranger. Et non, mort papa. De ranger 2-3 petites choses à l'écurie. De faire mon petit montage vidéo. Je vais arrêter de parler parce que sinon ça ne va pas avancer. Et puis je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Et lui aussi il a droit à son petit goûter. Allez, salut. Bon, on se retrouve. J'avais dit que bah, je vous retrouverai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le petit goûter des garçons. Donc on va mettre dans le seau de Jean. Et j'ai le seau de Faust qui est, enfin, le petit pied, qui est juste là. Et on va les mettre dans les seaux. Donc, j'aurais dû filmer avant, mais je vais vous montrer en fait. Tout ça, c'est pour leur petit goûter. Donc, le petit goûter d'anniversaire de Jaja et de Petit Pied. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc il y a tout ça, il y a la petite compote de pommes. Et il faut que je rajoute avant toute chose les médicaments que Jean il a à l'heure actuelle. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu une très grosse inflammation des pattes il y a 3 semaines, des 4 membres. Et là, pour la maison, je la comprends pas, mais voilà. Donc, il a encore des médicaments, certains médicaments. Donc, il a du Drénon, il a son astrigène, grain pour son estomac, et vaut mieux, puisque là, il est sous cortico, donc ça va jouer un peu sur son estomac avec les corticos, donc vaut mieux qu'il ait ça. Et il a de l'immunox pour son immunité, pour rebooster son immunité. Donc, je vais lui mettre déjà tout ça avant, et après, on fait le petit goûter. Allez, c'est parti, je vais chercher. Donc voilà, il a tout ça, je vous ai pas menti. Hein. Bon, on voit pas ma tête, hein, désolée, parce que j'arrive pas à bien cadrer. Ouais, on voit à peu près ma tête. Donc, pour l'immunox, il a, c'est la deuxième bouteille, donc il a une bouteille matin, une bouteille soir. Faut pas mélanger, faut pas jeter. Et cette bouteille-là, elle pue, mais un truc, j'ai jamais connu ça. Et c'est un truc blanc qu'il y a dans la bouteille, enfin blanc crémeux, que je lui mets ensuite dans son four. Mais c'est un truc de malade, ça pue, mais oh mon dieu, j'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est fait. Je vais ranger les minox en même temps. Ça, je me trompe pas. Après. Il a un drainant, donc drainant pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il a eu des problèmes avec ses pattes, des engorgements qu'on ne comprenait pas. J'ai demandé au doc si je pouvais lui donner du drainant, puisqu'il a fallu que j'arrête quasiment tous les traitements, que ce soit l'homéopathie, tout ça, tous les traitements que j'avais commencé. Il y a une vidéo qui sortira, mais elle sortira bien après celle-ci. C'est tous les compléments, je vais vous faire la présentation, tous les compléments que j'ai donné à Jean pour le mois d'avril. Et dans ces compléments-là, j'ai dû tout arrêter en fait. Même les compléments que je lui ai donnés pour sa peau, Jean est mis parce qu'il est très impatient, il sait ce qu'il va y avoir. Donc voilà, donc clairement on a tout arrêté pour ce problème d'inflammation, parce qu'on pensait que c'était dû au foie qui était rempli en fait, engorgé de plein de médicaments, tout ça, enfin de compléments, tout ça. En fait, pas du tout. C'est dû à autre chose. Et je pense, et c'est en fait, on pense que c'est dû à son immunité qui est un peu dans les chaussettes en ce moment. Et donc voilà. Donc, c'est pas dû du tout à tout ça. C'est juste dû. Ça serait dû à son immunité. Bon, par contre, pour son inflammation de patte, ça, j'en sais rien. Je vais pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas. Donc, il a ce petit drainant. Il en a 30 ml. Donc pour ceux qui se demandent, c'est l'équidure que je donne aux chevaux, voilà. Parce que c'est le moins cher de tous les drainants qu'il y a sur le marché. Mais je peux aussi donner des drainants naturels, mais le problème c'est que j'avais déjà tenté de donner du Hilton Herb, sauf que les drainants sont faits aussi à base de vinaigre de cidre. Et comme il y a déjà des problèmes d'estomac, c'est mort. Voilà. Donc, et ensuite je lui donne sa petite dosette de gastrocamien, donc il en a 40 tous les jours. Ouais. C'est tout ce qu'il a pour l'instant. On va donc maintenant passer à tout ce qu'ils vont avoir pour l'anniversaire. Donc ça c'est pour Jean, petit pied Jean. Ils ont tout ça. Voilà. On va tout découper et on y va. On y va maintenant.
Je vais prendre plus avec moi. Ça. A few moments later. C'est vraiment pas simple de vous positionner. Hein. Moi, je vous le dis. Bon, allez, c'est bon. On y va. On va aller sur mon atelier de découpe. On va découper ça. C'est très dur de découper les quenouilles. Hein. Donc, on va les couper en deux. La plus grosse, je la donne à Jean. La plus petite, je la donne à Fafa. Un petit pied. Parce que Jean, en fait, c'est bien pour l'estomac, tout ça. Donc, je pourrais, c'est pour ça que je préfère donner à Jean la plus grosse. Donc, on y va. Mais bon, on fera petit pied après. Je positionne. Montrer un petit peu. Ensuite, on a la très grosse carotte de Jaja qui l'a déjà entamée. On va lui couper. Non, en fait, je pourrais carrément lui couper dans le seau. Je suis bête. Je vais placer déjà les bouts que j'ai coupés. Puis on va lui couper carrément dans le seau, ce sera mieux. D'être content, moi je vous le dis, ça va faire une belle salade de fruits. Bon, par contre, il faudra que je mélange tout parce qu'il faut qu'il bien qu'il prenne ses médicaments. Ouais, bah ça arrive, hein! Ils sont pressés, je vous le dis, non. Voilà. Ensuite, on va faire l'endive. Voilà. On garde une moitié pour Fafa, un petit pied et une moitié. Non, c'est pour vous. Une bonne grosse salade de fruits. Après, la poire. Jean, il faut savoir un truc. Hein. Regardez la vidéo des 25 faits sur Jean, vous saurez. Mais la poire, c'est son péché mignon. Voilà. Donc, il y a un petit bout de poire pour Jean. Donc, je donne pas tout. Je n'en donne pas trop et tout. Parce que ça fait un peu aller en la chiasse. Et comme Jean, là, il y a un peu de diarrhée. J'ai pas trop envie de le faire chier. Enfin, de. J'ai pas trop envie de trop lui en donner. Voilà. Ensuite, j'ai une pêche. Bon, elle est un peu pourrie. Donc, j'ai un baquet. Parce que, oui, j'ai des petits rats dans l'écurie. Enfin, des petits nuisibles dans l'écurie. Donc, ce que je fais, c'est que pour pas qu'ils attaquent. Ah, bah non, elle est pas si pourrie que ça. Même pour pas qu'ils attaquent, en fait, les affaires des chevaux. Parce que, oui, ils attaquent les affaires des chevaux. Bon, je leur mets un petit baquet dans l'écurie. Où je leur mets bah, ce qui est pas bon, en fait, tout simplement. Donc ça sera pour Fafa. Et là, on a des petites... je sais même pas ce que c'est, en fait. Je vais regarder. Je crois que c'est des petites... je sais pas. Clairement, je sais pas. Oh, des petites nectarines, des petits brugnons. Je vais en mettre un Jean. Un petit pied. C'est parti, par terre. Très bien. Voilà. Et je remettrai ça. Ils adorent les noyaux, je peux vous dire. Ils m'ont adoré. Oui, je connais aussi. Alors, je connais ce que aiment mes chevaux, mais je connais aussi ce que aiment les petits rats que j'ai dans l'écurie. Et je vais en garder un pour demain. Voilà. Et je vais faire... après, je ferai Faos. Enfin, petit pied, excusez-moi. Je l'appelle Faos parce que j'ai l'habitude de l'appeler Faos. Mais en fait, je préfère l'appeler petit pied sur les réseaux sociaux. Pour pas mal de petites raisons hein, que je vous ai expliquées dans la vidéo des 15 faits sur petit pied, il me semble. Bon, voilà. Je ne sais plus en plus. Je vous mettrai les vidéos de toute façon. Et là, on va mettre la compote de Jean. Et on va mettre un peu de jus de pomme. C'est pour faire passer le goût de l'équidure dur parce que c'est un peu dur pour Jean de le manger. J'en mettrai pas à petit pied. Hein. Alors, j'en mettrai pas à petit pied tout simplement parce que je vais lui faire juste une petite salade de fruits à petit pied. Voilà. Et pour Jean, bah, on va le mettre à petite compote. Parce que Jean, il a l'habitude d'avoir ses petites compotes de pommes. Maintenant. Quelque chose que j'ai. Que je fais depuis une petite
temps maintenant, c'est pour mieux faire passer certains compléments, certains médicaments. Et maintenant, je donne son compote de pommes. Voilà. Alors, je vais vous montrer avant de tout touiller. Mais... Ça donne ceci. Vous rendez compte? Il va se régaler. Je touille. Et après, on va lui donner. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc, c'est une grosse salade de fruits. Il va se régaler avec. Je vous le dis, je vais aller lui donner. Regardez-moi ça. Il attend. Je dirais que son membre, il a un peu dégonflé. C'est cool. Voilà. Donc, ça, c'est donné. Alors, on va faire un petit tour du membre. Alors, un petit peu s'il a dégonflé ou pas. Ouais, je dirais qu'il a un petit peu dégonflé, même si c'est encore un peu... Ah ouais, c'est un peu dégonflé, hein, parce que là, c'était... Ah ouais, c'est façon de dire, parce que c'était gonflé là ce matin, c'était encore gonflé là. Peut-être un petit peu dégonflé quand même. On voit un peu plus la forme, là. On la voyait plus ce matin. Mais franchement, il est gros, quand même. Il a une grosse patte. Ah, le tendon est en train de dégonfler, c'est cool. Ouais, enfin, le canon est en train de dégonfler. Là, il est en train de dégonfler. Par contre... Il a une grosse patate. Il a une grosse patate. Donc, là, il a 3 jours, encore 2 jours de cortico. Donc, il en a encore demain. Et après-demain, et après, on verra. Voilà. On va le laisser manger. On va aller préparer celle de petit pied. Donc, prends le seau de petit pied. C'est tout dégueu, comme vous pouvez le voir. Et on y va. On va placer. À tout placer. Et puis il faudra que je mette la bouilloire en route pour. On va lui donner un petit pied pour le cube de fond de jambon. Parce qu'il en a pour demain matin. Et en fait, la chose importante à savoir avec les cubes de pain, c'est qu'il faut tout le temps les réhydrater. Parce qu'après, sinon, ils font les cons. Ça, j'ai eu bien. Bien après, quasiment après 3 bouchons. Enfin, 3... Ouais, 3 bouchons. Parce que mon cheval a fait 3 bouchons. Enfin, il a failli faire 3 bouchons de réagir. Qu'il faut les réhydrater pour pas que justement ils les avalent et qu'ils fassent les cons avec et qu'ils fassent des bouchons œsophagiens avec. Donc voilà, donc ça c'est la petite chose à savoir. Alors on met la poire. Je petit soin, hein. Je fais petits oignons avec eux. Je vous le dis. Hein. C'est pas tout le monde qui ferait ça. On met ça. C'est la pêche. En fait, j'aime bien les pêches. Enfin, petit pied. J'aime bien les pêches. On met la carotte. La carotte, j'espère que vous avez bien. Elle était grosse, elle était toute. C'était compliqué de la mettre. Ça avait fait une belle salade de fruits, moi, j'en veux. De fruits et légumes. Parce qu'il y a du. Moi, je vais tourner ça. Ça. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Ah, trop bien. Et voilà, c'est fait. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Une belle salade de fruits pour petit pied. Donc, je vais repartir voir Jean un petit peu. Voir s'il mange bien et qu'il m'a pas mis son seau en l'air. Donc, il mange bien. Ouais, il a pas mis son seau en l'air. Regardez comment il se régale. Oh, joyeux anniversaire, mon fils. Tu le mérites. Allez, maintenant, je vais mettre la bouilloire en chauffe. J'adore cette bouilloire. J'adore ses couleurs. Parce qu'en fait, mon autre bouilloire est tombée en panne. Et je suis allée à Lidl et j'ai vu cette bouilloire-là. Et j'ai trouvé trop géniale. Et elle fait plein de petites couleurs. Vous allez voir. Alors elle est verte parce que l'eau elle est froide. Après elle va devenir, il me semble, elle va devenir bleue ou jaune, je ne sais plus. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer. Mon petit pied il attend. Bon bah elle est quand même donner un petit pied et je vous remontrerai après. Regardez-moi ce seau là, c'est une bonne salade de fruits. J'attends ta salade de fruits. Et ben la voici. Hop. Ah.
la bonne salade de fruits. Mais ça fait trop du bien par là où ça passe. Hein. Oh bon, oui. Allez, je vais vous montrer les couleurs de ma bouilloire. On est toujours en vert. Et c'est bien parce qu'on la voit de loin comme ça. Il y a un truc qui tombe par terre. Hop. Poubelle. Voilà. Je sais, je pense que vous en foutez un petit peu des couleurs de la bouilloire, mais j'aime trop cette bouilloire. Allez voir Jean. Allez voir comment il mange. Oh mais regardez-moi ça, il a quasiment fini tout son chiot. C'est un glouton mon cheval. Il en a pas mis une miette à côté. Moi je suis trop bien ça, c'est bien mon fils. Bon, on va retourner à la bouilloire. Et puis après on ira voir Pipi. Oh elle est toujours en vert. Elle met un peu de temps. Ah voilà, après elle devient bleue, après elle va devenir jaune et après elle va devenir... orange et après elle deviendra rouge. Voilà. Donc je vous donne un petit peu les couleurs, mais voilà à peu près ce que ça va devenir. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est en ébullition, donc du coup que c'est chaud et que c'est prêt pour les cubes, pour que je puisse mettre ça sur les cubes de foin. On va retourner vers Petit Pied et puis voilà. Et il mange. Il mange les salades de fruits. Encore beaucoup, pas beaucoup. Oh putain, on fout partout. Et j'ai oublié la banane. Bon, c'est pas grave, hein, ils en ont beaucoup. Donc, bon, bah, je vous reprends. Bah, là, les doudous, ils ont fini de manger, tranquille. J'ai eu un appel du maréchal parce que bah, il s'inquiète un petit peu par rapport à Jean qui le suit, en fait, hein, tout simplement, par rapport à ce qui se passe. Bon, moi aussi, hein. Clairement, je suis inquiète. On ne sait pas trop ce qu'il a. On aimerait bien comprendre ce qui ne va pas. Je peux comprendre. je peux comprendre. J'importe, mais c'est rien. Moi, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous montrer par rapport à Jean. Je vais lui faire ses soins tout à l'heure. Je vais m'en occuper. Je vais lui faire finir de boucher tranquillou. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, et puis la journée va se terminer, se clôturer tranquille bah, avec Jean qui a 23 ans aujourd'hui, même si j'aurais préféré que ça se passe autrement parce que clairement j'ai pas compris hier ce qui se passait, surtout qu'il allait très bien durant la journée d'hier et là au soir plus rien n'allait plus, donc clairement j'ai pas compris. Donc peut-être que je vais demander des investigations à mon vétérinaire par rapport à Jean. Sur ce, je vais vous laisser et puis bah, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée parce que je pense que la vidéo va sortir aujourd'hui. On est le 14 mai 2020, donc je pense vous la tourner là le 14 mai. Enfin, non, vous la montez le 14 mai là, ce soir, et je sais pas quand elle sortira, mais elle sortira certainement en fin de soirée. Allez, sur ce, bisous à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao !